Bonjour. Alors, on va faire la deuxième partie du cours. Partie qui est au sol. On va travailler les bras, mais avant, on va faire un petit échauffement. Allez. Amenez-les à l'avant. Amenez les bras légèrement vers l'arrière. Gardez les bras en haut, petit cercle. Et dans l'autre sens. Et relâchez. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous mettez les lestes au poignet. Alors les bras, vous pouvez travailler debout, hein, bien évidemment, ou en position assise, la position de votre choix. Allez, si on est passé de la même manière, les pieds en ras du sol. Les bras à la hauteur des épaules, les épaules basses. Bloquez la position et les bras de chaque côté de la tête. Et le dernier, puis des petits cercles. Gardez les épaules basses. Thank you.
les sacs dans l'autre sens. Et relâchez. Vous vous remassez vos cuisses, relâchez vos épaules. Tendez vos bras, pliez-en un. Et le dernier. Et relâchez. Vous amenez les mains devant les épaules et vous tirez les coudes vers l'arrière. Inclinez-vous, pliez et tendez les bras. Avec les bras tendus, montez-les. Amenez-les vers l'intérieur. Vous avez marre de votre position, changez un tout petit peu. Hein. Vous pouvez également vous asseoir sur le tapis avec les jambes en tailleur. Un bras. Dernière fois, et les deux bras ensemble. Thank you.
les deux derniers. Et relâchez. Les bras légèrement pliés, les coudes vers la taille, un bras puis l'autre. Et derrière, avec les bras en ouverture, gardez les coudes à la taille. Dernier, relâchez, ramenez vos bras à l'avant, les deux bras ensemble. C'est le dernier, gardez les poings devant les épaules et montez les bras, ne les tendez pas. Remontez les bras, alignez les coudes par rapport aux épaules, tendez les bras devant. Le dernier, ramenez les poings, ramenez les coudes et les deux bras ensemble. Côté. Dernier, gardez les poings vers les épaules et montez vos bras sans les tendre. Gardez les bras tendus, rotation du bras. Et on fait un peu plus vite pour terminer. Et
marcher. Alors, on va charger un petit peu plus un bras. Vous allez reprendre une position bien confortable. Dernier exercice pour les bras. On va démarrer avec le bras plié, le coude au niveau de la taille. Tendre le bras à la verticale. Allez, on y va. Regardez vos abdos. Et c'est le dernier. Gardez la tête bien droite. Vous mettez la main contre le bras, il reste tendu. Pliez-le, amenez au-dessus de la tête. Courage. Amenez la tête légèrement en avant, vers l'arrière. La main droite vers l'épaule gauche. Et gardez le bras tendu, amenez-le sur le côté. Tendez-le à fond, ramenez-le, attrapez votre bras et relâchez. Relâchez en même temps votre dos. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on attrape sa jambe, on se redresse, on amène le coude vers la taille, on allonge la nuque et c'est parti à la verticale. Le dernier, gardez le bras tendu, tenez votre dos, placez le bras à la verticale, au-dessus de la tête. Encore.
Amenez la tête légèrement à l'avant vers l'arrière. Gardez le bras tendu, ouvrez-le sur le côté, pliez-le un peu. Étendez, c'est terminé. Remontez le bras, attrapez-le, pliez-le et vous allez enlever les lestes. On étirera à la fin, là on va faire les abdominaux. Et avec les fessiers, on mettra les lestes. Alors, on va d'abord relâcher un petit peu. Une fois que vous êtes installé sur votre tapis, relâchez vos bras et vos épaules. Mettez bien le bas du dos en contact avec le sol. Rétroversez le bassin. Décollez vos pieds, posez un pied contre l'autre, ouvrez les jambes en rond chez vos genoux et ramenez les cuisses vers le buste. Soulevez la tête, vous allez mettre les deux mains à l'arrière de la tête et vous venez toucher vos coudes, vous venez toucher vos genoux avec vos coudes. Pardon. Vos omoplates sont au sol, vous soutenez toujours votre tête, vos bras sont à l'avant et vous amenez les genoux contre les triceps. Décollez légèrement le bas du dos du sol. Et le dernier. Et vous faites une petite pause. On va alterner une fois avec le haut du corps, une fois avec le bas du corps. Et ensuite, les deux mouvements ensemble et en même temps. Décollez les pieds, imprimez le bas du dos au sol. Posez-le. Et relâchez le bas gauche en bas. Soulevez la tête. Mettez les deux mains à l'arrière de la tête. On démarre par le haut du corps. Allez, c'est parti. Repeat every conversation.
Et les deux mouvements ensemble maintenant. Dernier. Et relâchez, posez votre tête au sol. Vous allez ramener les pieds à plat au sol. Imprimez bien le bas du dos au sol. Soulevez la tête, soutenez-la. Mettez la main gauche à l'arrière de la tête. Vous posez votre tête dans le creux de votre bras. Vos doigts, vous arrivez au niveau de votre épaule. Et avec votre bras, au ras du sol, vous allez venir toucher votre talon. Allez, on y va. Attention, la main droite va venir se placer au-dessus du genou gauche. L'avant-dernier. Et on redémarre de l'autre côté. Là, c'est le dernier. Talon gauche, genou droit. Et reposez votre tête au sol. Vous allez décoller vos pieds du sol et ramener les cuisses vers le buste. Vous allez mettre vos mains sous vos fesses et bien allonger la colonne cervicale. On va allonger la jambe droite. La ramener, faire la même chose avec la jambe gauche. C'est parti. Soulevez la tête. Tête soutenue, bras ouverts. Et une petite
pause. Vous allez garder les deux mains à l'arrière de la tête. Fermez les bras. Vous allez allonger une jambe et décoller légèrement les deux omoplates du sol. On y va. Touchez le genou gauche. C'est parti. Coude droit, genou gauche. Coude gauche, genou droit. Et on va terminer par un gainage frontal. Donc passez sur le côté. Ça va? Vous allez vous mettre à quatre pattes. Son bassin, on engage les abdos, on serre les fesses. Alors je vous préviens, vous allez tenir pendant une minute. Je suis en train de regarder le chrono. Top. Top.
ramener votre avant vers l'arrière. Ramenez la tête bien à l'avant. Attention à ne pas la lâcher vers le bas. Gardez vos épaules basses. Vos omoplates éloignées l'une de l'autre. Si vous en avez assez, ne lâchez pas. Mais posez juste les genoux au sol. Vous avez fait plus de la moitié du temps. Tirez les fesses vers l'arrière. Vous aviez même dépassé de 10 secondes. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de récupérer. Ensuite, on va faire les fessiers. Si vous le souhaitez, vous mettez les lestes aux chevilles. Non obligatoire, hein, parce qu'il y aura le rab de jeudi. Où on mettra les lestes. Alors avant de démarrer, je vous explique. Les deux genoux alignés, la main éloignée, mais dans l'alignement des deux genoux, nous n'avons plus qu'un genou au sol et la jambe étendue. Donc le pied dans l'alignement du genou et dans l'alignement de la main. On pousse le bassin vers l'avant. On se grandit. La main qui est au sol est bien décalée par rapport à l'épaule et vous mettez le poids du corps au centre. Et on va monter la jambe. Vous connaissez cette position, donc vous savez que vous avez la possibilité de vous mettre en appui sur l'avant-bras ou de poser la tête sur le bras. On les choisira. Prête ? On y va. Gainez les abdos, serrez les fesses. Gardez la jambe bien tendue les derniers. Et le dernier. Et relâchez. Posez vos deux mains au sol. C'est la préparation. On va faire la même chose de l'autre côté. Poussez le bassin vers l'avant, grandissez-vous. Et on y va. Continuez, vous pouvez le faire à votre propre rythme, hein, plus lentement. Et le dernier. Et vous relâchez. Alors, on va changer de côté. Vous allez monter la jambe. Pliez la jambe. Tendre la jambe. La plier. Le genou à la hauteur de la hanche. La tendre devant. À
ramener le talon à la fesse, retendre la jambe sur le côté et la descendre. Je répète, vous la montez, vous la pliez, vous la tendez, vous la pliez, vous la tendez, vous la pliez, vous la replacez et vous touchez le sol. Donc aujourd'hui, on en fait 15 d'un côté, 15 de l'autre. On y va. Continuez. Si vous jugez que c'est trop difficile, mettez-vous dans cette position-là. Et c'est la même chose. Allez, on va dire les 5 derniers. Et le dernier, monte, plie, tend, plie, tend, plie, tend, pose et relâche. Misère. La même chose de l'autre côté. Vous en avez peut-être fait un petit peu plus, hein, du coup. Hein. Si vous les avez bien comptés, vous en ferez tout autant. D'accord? Allez, c'est votre dernier exercice. Courage. Choisissez votre position. Chargé ou pas. On y va. Hop, 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 hop. Et hop, hop, hop. Pardon, je me suis trompée. Continuez. Si ça ne va plus, si vous n'en pouvez plus, montez, pliez, tendez, pliez, tendez, pliez, tendez, abaissez, remontez. Et c'est le dernier. Monte, plie, tend, plie, tend, plie, tend et relâche. C'est tout. Vous allez venir vous asseoir et vous allez enlever les lestes. Posez-vous, ouvrez un petit peu vos jambes, amenez vos doigts au sol, récupérez.
Inclinez-vous légèrement sur le côté, vous avez la main au sol, peut-être l'avant-bras au sol. Poussez la poitrine vers l'avant. Et revenez. Grandissez-vous, relâchez votre bras. Et l'autre bras en arrondi, inclinez-vous. Et revenez. Et relâchez. Relâchez vos épaules. Amenez les épaules vers l'arrière. Je vais me mettre dans l'autre sens. Amenez vos épaules vers l'arrière, croisez vos doigts, relâchez la tête vers le bas, étendez les bras. Puis pliez vos bras, allez sur un côté, redressez la tête. Ramenez la tête vers le bas, mais gardez le dos à la verticale. Tendez vos bras. Vos omoplates se rapprochent l'une vers l'autre. Puis relâchez les bras en les pliant. Amenez-les de l'autre côté. Et redressez la tête. Et relâchez. Amenez vos bras à l'avant. Vous avez les doigts au ras du sol. Le bras est bien tendu. Placez l'autre main à l'intérieur. Poussez vers l'avant. Faites-le de l'autre côté. Vous pourrez également faire cet étirement si votre souplesse vous le permet. Attention, avec les mains à plat au sol. Là, vous êtes légèrement incliné. Et relâchez tout doucement. Placez une main au niveau de la taille, amenez le bras à l'avant, étirez-le, inspirez, expirez, amenez-le loin vers l'arrière. Et revenez. Inspirez, expirez. Croisez, montez les bras, pliez-les un petit peu, ouvrez, tendez et amenez les deux bras vers l'arrière. Puis pliez vos bras, amenez les mains au-dessus des épaules, niveau de la nuque, arrière-tête, tirez les coudes vers l'arrière, auto-grandissez-vous. Vous allez attraper un coude, tirez le coude vers le haut. Puis amenez le bras vers l'arrière, vers l'arrière. Et passez-le derrière. Et revenez. Changez. Tirez le coude vers le haut. Grandissez-vous. Amenez le bras vers l'arrière. Et inclinez-le. Et revenez. Et ramenez vos bras à l'avant. Relâchez vos épaules. Ensuite, on va passer à plat ventre. À plat dos, pardon. Alors, étirement des fessiers, abdos en dernier.
Décollez le pied droit, posez le pied droit sur la cuisse gauche, décollez le pied gauche du sol. Ramenez vos deux jambes vers vous. Puis la jambe droite, croisée. Vous allez poser votre main gauche sur le dessus de votre pied droit. En décollant la tête, vous allez poser la main droite sur le dessus du pied gauche. Et après, vous reposez la tête au sol. Vous ramenez les jambes vers le buste. Vous allez ressentir l'étirement dans la fesse. Si ça, ça ne vous convient pas, vous faites comme ça, en enlaçant vos jambes avec vos bras. Et relâchez tout doucement. Décollez le pied gauche, posez le pied gauche sur la cuisse droite, décollez le pied droit, ramenez les deux jambes vers le buste. Allongez votre nuque, abaissez les épaules. Croisez, ramenez les jambes vers le buste ou en les enlaçant. Ou vous posez la main droite sur le pied gauche, aidez-vous, décollez la tête, amenez le talon près de la fesse. Et reposez la tête au sol. Vous avez la jambe gauche devant, ça étire la fesse gauche, j'espère que vous le ressentez. Et relâchez. Décroisez vos jambes. Vous allez poser vos pieds au sol et vous allez allonger vos jambes. Pliez les bras, puis mettez les bras de chaque côté de la tête, posez le dessus de vos mains au sol et étirez-vous. Vos talons sont bien au sol, vous amenez les pointes de pied vers l'avant, le bassin va s'antéverser. Puis regardez votre plafond, appuyez le dos des mains au sol et décollez les omoplates du sol. Reposez les omoplates au sol et ramenez les bras à l'avant. Dernier étirement, vous repliez vos jambes, mettez bien le bas du dos en contact avec le sol, vous ramenez les cuisses vers le buste et vous allez passer vos jambes sur le côté droit. Ouvrez votre bras droit. Ramenez une jambe puis l'autre. Replacez le bras droit. Ramenez les cuisses vers le buste. Ouvrez le bras gauche et amenez vos jambes sur le côté gauche. La jambe gauche est au sol et la jambe droite est contre la jambe gauche ou près de la jambe gauche. Revenez, une jambe puis l'autre, un petit roulé-boulé, vous venez vous asseoir. Voilà, c'est terminé, donc je vous dis à demain, d'accord? Allez, à bientôt, bonne journée.